Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jouer Alright de Jane. C'est parti, je vous montre les accords, la petite intro du début et la rythmique du morceau. Alors, on va avoir besoin d'un capodastre en case 4. On va avoir un accord de Mi mineur, suivi d'un Do majeur. Ensuite, on aura un La mineur. Et pour finir, un Ré majeur. Sauf que pour la petite intro du début, le Ré va être un peu particulier. On va se placer comme ça, donc le doigt 3, hop, en case 4 de la 3ème corde partant d'en haut, le doigt 1 en case 2 de la 4ème corde partant d'en haut, et le doigt 2 en case 3 de la 2ème corde partant d'en bas. La tablature va s'afficher juste au-dessus pour ce passage. Donc, on commence avec notre premier accord de Mi, mais on n'est pas obligé de le placer, hein. On peut simplement placer le doigt 2 en case 2 de la 3ème corde partant d'en haut, comme vu sur la tablature. Et là-dessus, on va prendre le pouce, l'index, le majeur, pour jouer les 3 avant-dernières cordes. Pouce, index, majeur, index. Donc, 3ème partant d'en haut, donc corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. Et hop, on revient sur notre corde de Sol. Donc ça fait corde de Ré, corde de Sol, corde de Si et corde de Sol. Ok, ensuite on va placer le doigt 1 en case 1 de la 2ème corde partant d'en bas. Ça fera en fait un Do, hein. Mais bon, on va juste placer ça. Et là-dessus on va jouer quoi? On va jouer les mêmes cordes, mais on va faire 1, 2, 3 et on double en fait l'avant-dernière. Ce qui fera donc corde de Ré, corde de Sol et deux fois la corde de Si. Ce qui donne depuis le début, tout simplement. Ok, une fois qu'on a fait ça, on descend le doigt 2 en case 2 de la 3ème corde partant d'en bas, ce qui fait en fait un La, et là on le fait en plus simple, hein. Et du coup, là-dessus on va jouer 4 notes sur les 3 dernières cordes. Oh, c'est les 3 premières normalement, mais moi pour visuellement je dis c'est les 3 dernières, hein. C'est comme ça ma technique. Donc on fera la 3ème partant d'en bas, la 2ème partant d'en bas, la petite, et on revient sur la 2ème partant d'en bas, ce qui donne donc corde de Sol, de Si, de Mi aigu et de Si. Depuis le début, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. Ok, pour terminer, on va se placer avec le doigt 3 en case 4 de la 3ème corde partant d'en haut, doigt 1 en case 2 de la 3ème corde partant d'en bas, et le doigt 2 en case 3 de la 2ème corde partant d'en bas. Et là-dessus, on va faire quoi? On va jouer donc la 3ème corde partant d'en haut, la 3ème corde partant d'en bas, et la 2ème corde partant d'en bas deux fois, ce qui fera donc corde de Ré, corde de Sol et deux fois la corde de Si. Au ralenti depuis le début, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. Ok, maintenant pour la rythmique, on reprend nos accords. Donc le Mi mineur, le Do majeur, le La mineur et le Ré majeur. Rythmique un petit peu reggae, hein. Donc ça fait bas, O, O. Alors les O, je vais mettre la caméra comme ça. Bas, O, O. Une petite rotation de la main pour étouffer. C'est pas bas, O. C'est vraiment, on étouffe. Donc O et on bloque. O et on bloque. Alors là, niveau rythmique, ça fait ça. Bas, O, O. Éclatez-vous à apprendre cette chanson. Si vous avez du mal avec les barrés, avec les étouffés, avec la technique guitare en général, si vous n'arrivez pas, en fait, tout simplement, à jouer un morceau en entier, bah, n'hésitez pas à aller dans le lien qu'il y a dans la description. Vous allez pouvoir y trouver un club privé pour les débutants et je pense que vous allez trouver votre bonheur. C'est obligé que vous progressiez. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, liker et un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir pour savoir ce que vous voulez que je vous fasse comme nouveau tuto. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.